Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on continue la Vuelta étape 4. Pourquoi je vous retrouve ici? Parce que hier j'ai essayé de lancer, ça ne faisait que crash, donc je vous prends la vidéo ici. Et je viens de remarquer que Carapaz a plus 5, première étape en Espagne en plus. Donc voilà, et on va se retrouver dans cette petite bosse nous. Allez, on est à 26 km de la ligne d'arrivée. Et on va commencer, on a déjà commencé à mettre en route nous, avec nos gars. J'ai demandé à Geo Gegenhardt de rouler. Et nous, Carapaz en plus 5, donc on va essayer d'en profiter. Van Barl, il va ramener les binons normalement. Et nous, on va vraiment accélérer dans cette montée. Roglic est déjà maillot rouge, donc il a un avantage avec le chrono par équipe. Carapaz a pris 2 secondes de bonif au sprint inter, donc ce qui fait qu'il se retrouve à 17 secondes. Avec les bonifs de la victoire 10, si on prend 7 secondes, on est maillot rouge. Donc en vrai, on va essayer de tout donner pour pourquoi pas être le maillot rouge demain. Allez, Geo Gegenhardt va s'écarter et directement c'est Pavel Sivakov là qui va accélérer. Hop. Non, j'avais sélectionné tout le monde pour prendre le gel, mais c'est pas une bonne strat ça. Devenins roule. Bennett, Roglic. Qu'est-ce qu'il fait, Sam Bennett là? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il y a un tempo monstrueux là de la Bora et de la Quick Step. Pas moyen de tenter quelque chose, hein. Pas moyen d'accélérer. Attention, qu'est-ce qu'il fait, Roglic? J'ai cru qu'il allait accélérer. Wow, wow, wow. Je me suis dit, oh Primoz. Oh Primoz. Julien Lafilippe se replace aussi, on l'a vu. Allez. Ce serait bien qu'on puisse essayer de nous commencer à accélérer avec Pavel Sivakov là. Oh, oui. Ou ça, c'est une accélération qui va faire mal. On a Carapaz en plus 5, il faut largement en profiter. Alors, Sivakov, arrête-toi. Et là, bang, on va mettre une accélération du futur avec Carlos Rodriguez. Ça, c'est de l'accélération qui fait mal. Allez, avec Carlos, on est sorti à 5. Il y a Pavel Sivakov aussi. J'ai demandé à Sivakov de rouler. Il y a Julien Lafilippe et Dries De Venins. Le reste, personne. Personne. Mas Bonnet qui est en train d'essayer de faire la jonction pour son leader. Et ça va faire la jonction. C'est bon, la jonction a été faite. Non, on va vraiment forcer sur le sommet. On va forcer comme jamais avec une nouvelle accélération de Carlos Rodriguez. Voilà, pour essayer vraiment de faire des dégâts. Voilà, on va laisser Sivakov en roue libre. Alors que Rodriguez, lui, va rouler maintenant. Allez, ah, vraiment, on a fait du mal. Hein. On a fait du mal à certains coureurs. Est-ce qu'on va être capable d'aller la chercher, cette victoire? Bah, j'aimerais bien. Sur la première étape, assez intéressante. En plus, on a Carapaz en plus 5. Jan Van Barl, s'il peut venir se mettre dans le train, pourquoi pas. Hop, il est en forme, Van Barl en plus, plus 4. Donc, en vrai, let's go. Hop, là. Et on est plus que 86, hein. ça a explosé un petit peu de partout. Rodriguez est en train de rouler, ça roule très fort. Hein. Ça roule très fort. Il y aura un petit peu de replat avant la montée et la difficulté avant l'arrivée. Voilà, les Rodriguez qui roulent. Voilà, il va accélérer encore un peu plus. Il va consommer son gel énergétique. Bon, le problème, c'est que Van Barl a déjà pris son gel, lui. C'est pas trop grave. Le placement de Roglic est un petit peu incertain. Il a des risques de se faire enfermer, le pauvre. Allez, Rodriguez, il fait un boulot monstrueux. Hein. Il fait un boulot monstrueux, Carlos. Vraiment, ça, c'est super hein, ce qu'il nous fait, Carlos. Et ça y est, on va entrer dans l'ascension. Pas encore, pas encore, pas encore. Bah, en vrai, Rodriguez, pépite. Il a fait du très bon travail. J'ai oublié de donner le gel à Carapaz. Yes. Voilà, allez. Maintenant, c'est Van Barl qui va rouler. Qui va accélérer maintenant pour Richard Carapaz. Allez, on va faire l'effort maintenant avec Jan Van Barl. Richard Carapaz est dans la roue. Il va faire son effort maintenant aussi, Richard. Allez, Richard, pour s'imposer sur la première étape. Roglic revient très très fort. Est-ce qu'on va s'imposer? Oui, on va la chercher. On va la chercher, cette victoire, devant Alaphilippe et Roglic. Donc, dans tous les cas, on prendra pas le maillot rouge si on n'a pas 8 secondes. Parce que, non, plus que 10 secondes, parce qu'en soi, Roglic a pris des bonifications. On se retrouve voir les podiums ensemble. Les podiums, donc, de cette étape avec 7 secondes de reprise. Ah, c'est dommage.
Julian Lafilippe fait 2 devant Primoz Roglic, Carapaz l'emporte. Donc, Primoz Roglic, toujours en rouge, devant Carapaz pour 4 petites secondes. Carapaz, très très fort, il a montré à Roglic que ce sera lui son adversaire. Au maillot du meilleur grimpeur, c'est Lucas Plap qui le portera devant Pavel Sivakov et Gerard Dressner. Et du coup, c'est cool, c'est un gars de notre équipe. Du coup, au maillot vert, Bran Cocquart devant Andrea Vandramme et Tim Merlier, Richard Carapaz est quatrième. Meilleur jeune, c'est Joao Almeida devant Juan Ayuso, Brandon McNulty, Remco Evenepoel, Fred Wright, Gino Madder, Lucas Plap, Pavel Sivakov, Eduardo Zambanani et Sergio Higuita. Au classement par équipe, la Jumbo-Visma devant la UAE Team Emirates, Bike Exchange et la Ineos Grenadier. En tout cas, merci d'avoir visionné, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était Nioi. Ciao, ciao.